Chaloasszony következik. Madame de Rosière. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, j'ai bien écouté votre discours en introduction. Vous parlez entre autres choses de votre volonté d'œuvrer pour les PME européennes. Et ce Parlement, depuis maintenant bientôt 2 ans, vous demande une mesure simple au bénéfice des PME européennes, justement. Cette mesure, c'est l'extension des indications géographiques pour les produits non agricoles. C'est la garantie de maintenir l'emploi dans les territoires fragiles, de maintenir des savoir-faire, c'est la garantie de mieux protéger les consommateurs, avec une véritable traçabilité sur les produits artisanaux qui sont fabriqués dans nos campagnes partout en Europe. Ce n'est pas une préoccupation localisée. Nous avons vu des entreprises qui viennent d'Espagne, qui viennent de Grande-Bretagne, qui viennent de République tchèque, qui nous demandent cette protection. C'est une mesure simple qui montre que l'Union européenne peut agir au bénéfice des citoyens et des PME européennes. Alors, je vous le demande, ça fait bientôt 2 ans que ce Parlement vous a demandé une proposition législative pour garantir cette protection. Je vous demande de ne plus attendre et d'ores et le plus rapidement possible de mettre sur la table cette proposition. Je vous remercie. Monsieur Marias. Merci beaucoup, Madame le Président. Monsieur Timmermans, je voudrais parler de la crise des réfugiés. C'est un dossier qui occupe beaucoup l'Europe.